Nous sommes ici à Bourneté pour accompagner le nouveau secrétaire fédéral El Hadj Mamadou Diambari en remplacement du secrétaire fédéral sortant El Hadj Baloba, désormais membre du bureau exécutif national de l'UPR. Nous y avons trouvé une puissante mobilisation populaire, les adultes, les femmes, les jeunes, avec l'animation de l'orchestre Gandomassi. Dans le message que nous avons eu à délivrer à cette population massivement rassemblée, c'est de soutenir le ressortissant qui est El Hadj Mamadou Diambari. Leurs neveux, leurs oncles et leurs frères, de le soutenir parce que le bureau fédéral et l'ensemble du parti ont eu confiance en lui. Maintenant, il reste le soutien. Il a besoin du soutien de sa famille, du soutien de ses voisins, du soutien de son quartier et de tous ses amis. Donc nous avons invité les gens à soutenir le El Hadj Mamadou Diambari et à soutenir l'UPR et Baousmane et faire en sorte aux élections prochaines que l'UPR gagne vraiment beaucoup de suffrages aux élections. Nous aurons à envoyer des députés à l'Assemblée nationale et lorsqu'il y aura la candidature pour les présidentielles, le parti également présentera des candidats. Donc nous ne sommes pas dans un débat pour un débat. Nous savons que nous sommes un parti indépendant. Nous ne méprisons pas une alliance, mais de toutes les façons, nous avons nos candidats comme les autres partis. Donc nous invitons nos citoyens, nos concitoyens, nos militants à se faire identifier au niveau des commissions administratives de révision des listes électorales. Nous invitons nos concitoyens à tout mettre en œuvre pour obtenir leur carte d'électeur, sans laquelle ils ne pourront pas voter. Nous savons leur disponibilité, mais on a beau être disponible, si on n'a pas la carte d'électeur, on ne pourra pas voter pour l'UPR. Donc nous les invitons à respecter ces consignes-là, à aller se faire identifier, à aller se recenser et à avoir leur carte de lecteur. Voilà le message que nous avons eu à délivrer. Et il faut qu'ils le fassent très vite, il ne faut pas qu'ils attendent la fin du processus pour se présenter après dire qu'on est allé là-bas, on n'a trouvé personne. C'est dès maintenant qu'ils doivent se renseigner où se trouvent les cadres dans leur quartier et à aller se présenter au niveau de leur cadre pour se faire identifier. Voilà à peu près le message que nous avons eu à délivrer. Et nous avons également remercié l'orchestre Gandomassi pour sa fidélité à l'UPR. Au nom du parti, au nom du président Baousmane, nous avons félicité la population de Bourneté, nous avons félicité le chef de quartier de Madina et nous pensons qu'au scrutin prochain, vraiment l'UPR pourra obtenir beaucoup de suffrages. Merci.